Cause jihad, c'est malheureux qu'elle m'a dit fait. Ce qu'elle m'a dit fait, au bout de l'air qui visait l'air, alhamdulillah. Mais ce qu'elle m'a dit fait, et ça a bien pris le commun, fait attention. Et si, il finit pris le lacard, il finit vers la rafale, à ce qu'elle m'a dit, mais après l'autre, je vais aérer, je ne vais pas utiliser le message, je vais trop tard. Si, il finit la plus qui sent, il dit bon, il finit mot. Plus qu'il y a des millions de gens infini perdent la carte. Si pas quand tu dis madame infini elle violée. Quand tu dis madame infini tombe dans la prostitution. Aster le gouvernier, mais non. Parti viser du djihad, nous faire errer quand on dit djihad, c'est trop tard. Donc, comprend qu'il sort là, il prend quelque chose qui nous fait patiner. Ou bien nous disons vivre une djihad, quelque chose. Mais nous tournons dans un seul bateau. Nous tous nous vivre ensemble, c'est là pour couler, parce qu'on parlait, nous tous nous couler ensemble, à cause qu'il n'a pas voulu couler, à cause qu'il va bien mission Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons faire sa programme à faire. Jihad, celui qui dit à la peine à jihad dans l'islam, il y a un kafir. Parce que jihad, il mentionnait trop beaucoup de fois dans le Coran et dans le Hadith. Mais comme à l'exemple, finalement, le bon Allah subhanahu wa ta'ala vient dire coupe la révolée, mais qui s'en a pas mis nous qui a coupé la révolée? Personne. Personne pas calé, personne n'a pas le droit à la coupe la mexicaine. Parce qu'il y a une condition. Alors, comme ça, nous allons faire, ma soeur, jihad, est-ce qu'il y a ce moment-là? Est-ce qu'il y a ce moment pour un sec djimoun pour qu'on vous en flamme, djimoun, jihad, jihad, jihad? Qu'est-ce qui arrive quand on va dire, il y a certains, je viens, je monte au mimbar, je viens, je monte au mimbar, je t'acquise certains, il y a certains, mais ils s'écrivent libre, il y a certains, mais ils s'écrivent libre. Alors nous devons vivre pour un sec djihad, nous devons vivre pour enflamme dans le service bizarre de djihad. Alors quand nous enflammons dans le jeune vers à quelque chose là, et qui quitte chose là, d'après l'islam, il manque au prêt, automatiquement, ça va être là qu'elle finit, mais quoi dire, l'envie jihad dans eux, les lames qui se fait n'importe quoi, et je nomme ça l'idée, je vais faire jihad. Je t'appelle ça, je vais faire jihad. Alors, une dernière explication qui va pour l'homme, Inch'Allah, c'est comment certaines, si tu as envie de faire jihad, envie de faire jihad, je vais faire quelque chose qui n'a pas besoin, ensuite je vais taxer ça comme jihad. Dans lui, c'est mon commentaire et critique malgré l'autorité. Mais ça c'est quelque chose qui est là du monde, ce plaisir ça, ce plat ça, Inch'Allah de l'avenir, de convenir, de vous montrer ça, comment ça doit écrire. Donc, jihad c'est, il y a sur le principe, moi comme il m'a dit, les rois l'arabie fait ça, les rois étaient fait ça, ou bien étaient fait ça, ça jamais dit jihad. Parce que jihad c'est pas quelque chose qui nous a envie de dire, nous a envie de faire. Et là certains autres c'est tarif, جهاد إلى الله كلمة حق تقال لإمام جائر أنه جهاد جهاد كي بي إليه بوع الله ستن بارول دي فريتي كي وبيتي عن شيف اسكي كان وبيتي عن بارول دي فريتي عن شيف بازالو صحابي ده سي جهاد بيان جهاد بفيني ما بسو ما قولي أبا جاني كمتغير مسكي لو قبيت صلى الله عليه وسلم بجا موكو ممار جهاد تيامانزي Amir-là, tiens, on s'est imam-là, est-ce qu'il s'arrête à ça, son signification? Non. Signification, il s'arrête là, on peut trouver l'autorité de vérifier à conseiller, pas le frère, pas le soeur, comprend qu'il y a la raison ou pas, mais pas dit non. Parce que c'est une petite chose qui concerne nous le dire, ou le dire, le dire, moi, madame, le dire, vous, madame. Combien de gens qui sont contents, combien de gens qui me trouvent Kadhafi ou bien Saddam Hussein, ou bien Hosni Moubarak, avec sa même cause désolée à sa combattre là. Combien tu l'as sa conception là? Puis tomber à tomber. Tu tombes. Qui me censé? Qui profite musulman tiré à partir de ça? Qui le nez à sa vie d'apprendre l'islam? Combien de musulmans viennent retourner à l'islam? Pas de sens dans l'île. Kadhafi par Kadhafi, la Libye encore Libye, dernièrement la RFI, mais nous ne pouvons pas faire un programme. Quand finit là, un grand théâtre, santé, danser, et dire, finalement, finalement,
un Européen, nous sommes dénoncés dans Tunisie. J'ai un des madames dans le mouvement féminin, mais venu me faire 5 nuits, je peux manifester. C'est l'islam. C'est un je peux montrer l'islam, l'islam. Kadhafi est un poison pour l'islam, ou bien Saddam Hussein, ou bien aussi Moubarak. À aucun moment, nous ne pas une défense. Mais nous, il n'y a pas de problème au mal, c'est non sur la tête. Problème au mal, c'est nous tout en tout. Quand on voit dans le shirk, quand on voit dans le bid'a, quand on voit dans la désobéissance à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, ça a été dit, mon alo. Donc, dans la même soi-disant, c'est-à-dire djihad qui s'est allé faire. Et il y a même du tout dans la société, il y a même l'instabilité dans la société. Ou bien obligé d'être l'Égypte, est-ce que c'est un pays stable? Est-ce que vous êtes content ou là qui est mort ou bien vivre dans l'Égypte? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes content qui vous risque là c'est l'Égypte? Quand il n'y a plus l'instabilité, quand il n'y a plus la sécurité, est-ce que vous êtes content? Si vous êtes content, vous êtes content. Si vous êtes content qui nous paye, la Syrie qui m'a été là, vous êtes content qui nous mourit aussi pour moi, mais non. Ou bien content qui Maurice vienne à la Syrie, ou bien content qui Maurice vienne à l'Égypte, il n'y a pas la stabilité, il n'y a pas la tranquillité, mais non tout. Mais ce que nous venons de dire, qui va bien nous choisir la subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il gagne une récurrentelle qui a qui gagne pour venir dire, et dans ce cas, on se dit c'est réaliste, je n'ai pas la courage, ça se dit, Allah vous dit. Mais il n'y a pas une question carbone par carbone, il y a une question principe de l'islam, il y a une question l'islam qui est en Sahara. Les questions, l'islam qui va nous savoir qui m'a été mis à l'Ola, donc tout le temps, ben, ça va finir, n'a pas les mots d'autorité, pas critique l'autorité, pas critique l'autorité, l'inapé n'a dit bien ça. Anas radiallahu anhu, il m'a sahab al dit, nahana kubara'una min ashabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qalu, la tasubbu umara'akum. Anas radiallahu anhu dit, nous allons comparer, nous allons grandement comparer à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Anas qui descend, qui déjà par le sahaba Rasulullah, il y a un grand sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je dis à nous, non, n'a pas mis en cause pour l'Amir, n'a pas insulté Amir, n'a pas mis critique Amir, n'a pas dit bien là-dedans. Et il y a beaucoup de monde, je viens de Koukou, ça m'a fait une distraction ça. Je voyais ce plaisir, ça c'est pas pour cause contre l'Arabie, pour dire cause il a n'a pas un plaisir de cause il a, ça c'est une maladie, des banques qui la maladie Khawarij dans eux. Et nous prouver ça qu'il sera pas permission Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'a pas là pour les tasses au kikan. Zou qui peut la programme, Inch'Allah, celui qui voulait trouver la vérité, vous trouvez comment il a dit on est la maladie Khawarij dans les ministres pour critiquer l'autorité. Et pour inciter tout le monde pour les comptes d'autorité. Et comme ça même, quand on finit la manifestation, avant la manifestation, Cheikh Mbaz qui vient nous, Cheikh Ouzermine qui vient nous, Cheikh Albani qui vient nous, et tous les trois qui viennent nous, c'est qu'après la manifestation, on va faire l'islam. Si je me dis non, mais ça c'est pas nous sommes les rois, ça va cause les rois, une misère de ça, pas toi là, mais pas j'en crois, il y a un problème là. Par là, tu finis mon rapport problème là, et je me dis déjà fini de ça, pas toi là, qui c'est qu'appelle. Mange-nous là, qui est ta base d'islam, ça. Mais quand l'islam il enseigne ça, quand le prophète est sauvage en rabat, il mange-nous là, il prend pas quoi, il décide à bord, tout peut écraser par le côté, l'islam ça. Mais la honte, la honte. Matla, l'Ossara Nimbar dans sa masjid là, quand fini dans certains vies montées, puis j'y arrive là, le printemps arabe. Printemps arabe, l'arabe, les versets, le sommeil, il me casse. Tout ça, la peine à n'en y a fait avec l'islam. Mais pourtant, Yusuf al-Qarbaoui, qui s'est allé prendre comme Alim, le dire, Al-Mudahara, il est stupéfait, il est stupéfait, il parle à l'Omma, Fabia Jihad. Yusuf al-Qarbaoui dit, ça va une manifestation là, si nous faisons avec l'esprit qui nous fait recassonner ça pour mettre la djihad, ça est la djihad. Aïe la djihad, manifester, et finalement, pour aller à l'armée pour passer à coup de balle, pour coucher à coup de balle, les après, des bananes pour aller à 100 millions, 500 000 d'immunes pour vous, des millions d'immunes pour payer la gare, pour aller à combien madame pour violer, combien madame pour mise à grande zone. C'est ça qui est quand qu'il commence, quand qu'il arrive, et combien
niente che mi avvegli possa manifestazione che non è avere il jihad e come sappiamo il profeta sallallahu alaihi wasallam. Les causes concernant la palais contre l'autorité, quand on devait faire manifestation, le bébé pour renverser cette autorité, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le dit, wa Allah nunazi'a, sahabi qui lui rapporte sa hadika, Ubad ibn Samit, le dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient nous faire bay'a, wa Allah nunazi'a l'amr ahla, illa an tara kufran bawahan, indakum min Allah fihi burhan. Le prophète qui vient nous prendre l'engagement, n'a pas les contre l'autorité, n'a pas les contre l'autorité, aussi longtemps qu'il ne va pas trouver une coffre au clair, cachette, non, c'est qu'il commande une possibilité, non. Et là, beaucoup, je finis le conseil, je finis le diapos, ensuite, quand on est avec le diapos, là, nous, on va le diapos. Mais qui joue ça? Non, mais on parle, devant la masse, devant le micro, coffre, ensuite, quand on est avec le diapos, non, on va le diapos. Donc fais attention, mon frère, ça va nous takfir, va nous guider pour faire takfir, va nous guider pour mettre pour dire musulman dans le couvre, ça c'est pas une maladie qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait dit pour ça. Donc, dans l'islam, les contre autorité par parole, ou bien par l'épée, ou bien essayer de faire révolution, l'islam il empêche ça, acceptez si la coupe, finir la coupe, mais dire accepter si vous la coupe, révolter contre Kédé. Révolter contre Kédé. Révolter mon coffre là. Révolter mon coffre là. Est-ce qu'il est en Tunisie, va aller révolter mon coffre? Est-ce qu'il est dans l'Égypte, va aller révolter mon coffre? Est-ce qu'il est dans la Syrie, va aller révolter mon coffre? Mais coffre là, depuis 20 bananes, c'est que je vais dire coffre là, mais depuis 20 bananes, j'ai dans ça. Depuis 20 bananes, j'ai dans ça. C'est pas mon coffre qui va l'enlever. Je voulais, je veux dire, il brille lui-même. Les finales considérées comme un martyr, François Hollande, il fait une rendue hommage au grand pote. Quel est le lien ça? Il a mis hommage parce que lui-même l'a mis pour cassommer les Arabes à travers l'action d'un dimon, l'insécurité en Tunisie, et la révolution entre les mondes, l'instabilité dans le pays musulman, car il peut bien lui mettre l'autre. Quel comment musulman imbécile? Quel comment musulman imbécile? Ou bien quel mondial? Maman, conquérir, quoi le dire, quand tu fais commencer la manifestation en 2011, le sikhisme tahrir, il met, aïe là, le retour des khilafas, quoi le khilafas? Dire le retour des khilafas, moi, vous comptez, mon camarade, vous êtes vivre dans le pays, vous êtes vivre dans l'état de khilafas, moi, tu peux compter, moi aussi. Mais quoi le khilafas là? Vivre avec la réalité, pas une dimon, ni une pour grand grand causer avec vous, libérer, vivre dans le fausse, les mondes, mais quand même, et quand nous, ça les mondes réels là, mais c'est un démon qui peut vivre. Mais ça le démon reste une fausse démon, une illusion ça, fausse ça, n'a pas réel ça, qui fait au compte en vie dans rien comme ça. Donc, Imam Ahmad Rahimahullah, il dit Allah, la hello qital au sultan. Dans l'islam, il n'a pas permis de combattre l'autorité. Dans l'époque, dans les années 300, il dit « Voilà, ça met la sunna qu'il le sultan, il n'a pas fait partie, sunna combat l'autorité. L'autorité, il n'a pas permissible si, à cause, comme il y a certaines de ce pamphlet, quand il y a un problème là, il dit « Liberté des choix ». Un djimou n'a pas l'islam. Un djimou n'a pas l'islam. Le pamphlet, il dit « Paix la liberté des choix ». L'islam est venu avec liberté de choix. L'islam est venu dialogue, c'est qui a envie de causer des causes. Jamais l'islam est venu dialogue, il a légipé la liberté de la parole. Liberté de la parole, sorry. Liberté de la parole. L'islam est venu avec liberté de la parole. Bon, vite, j'y vous, bon, vite, Allah, pas existe. Liberté de la parole. Est-ce que l'islam est venu avec ça? Non, l'islam est venu avec liberté de la parole. Mais pourtant, quand vous ne pas le frère, vous ne pouvez pas dire avec vous, nous ne pouvons pas avec aucune chose qui se fait. Et comme ça même, renverse la dictature pour remplacer par la démocratie. Qui vous dit ça, djihad? Djihad, pas djihad. Renverse la dictature avec l'aide de l'Amérique et la France. Dieu se vient avec nous. Nous pour renverser la dictature, nous pour remplacer par la démocratie. Qui vous dit un djihad là? Donc pas tout. Djihad, pas djihad. Djihad, pas djihad. Hein? La démocratie est mal propre que la dictature.
La démocratie, les pays malpropres. Les musulmans imbéciles comme ça. Les pétroles, l'Amérique fait content, la France fait content. La démocratie fait rentrer dans le pays musulman. Vous ne pouvez pas trouver la démocratie, c'est banlage, c'est-à-dire les autres religions qui fait rentrer dans le pays musulman. Nous ne pouvons pas dire nous pour la dictature, nous ne pouvons pas dire ça, non. Mais c'est ma renverse la dictature pour remplacer par la démocratie. Mais plutôt, nous vivons dans la dictature. Qui fait donner pour sa dictature-là? Qui veut? À cause d'islam? À cause d'islam? Ok. Nous, si nous renversons, à cause d'islam, mais quand renverser, qui vous avez dit? Mais l'islam? Renverse dictature pour mettre la démocratie qui vous va dire, c'est un bon Dieu l'Amérique et la France. Mais ça, pas l'islam, ça, ça, pas djihad, ça. Quand la première condition de djihad, c'est pour l'intention. Faudrait qu'ils ont préféré djihad ou l'intention, c'est pour qui kalima Allah, la parole d'Allah, elle est déçue. Non, puis qui vous dire qu'elle finit, elle pousse les Moubarak, elle finit, elle si pas Kadhafi. Monsieur François Hollande vient comme concept, les vient d'un discours, les vient d'un exode financièrement. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un musulman? C'est un djihad? C'est un qui nous met au djihad là-là? Donc, faire attention après, il y a un bâton dans le pied, c'est comme ça même. Bon, oui. Un problème de djihad, c'est attaque l'armée et un civil. Devant le pays musulman, dans l'armée et dans le civil dans le pays musulman. Ça, c'est maladie par le Khawarij. Et premièrement, Khawarij, il y a le roi la kafir. Le roi kafir, c'est l'armée qui peut supporter le roi là, un anti kafir. Ouais, il y a des kafirs là. Mais ce peuple là, je vais d'accord avec le roi, je vais soumettre à l'armée. Mais il y a un peuple aussi kafir. Il y a trois kafirs là. Je sais qui ça, les situations là. Mais il y a, les dans le pays là, les touchés musulmans. Dans le pays musulman, qui lit dans l'Algérie, ou bien lit dans l'Irak, ou bien dans le Pakistan, ou bien tout ça dans le pays là, musulmans, vous êtes attentat. Et là-haut, vous dire qu'il y a dans l'Amérique, 5 semaines, 5 décembre, nous battons l'attentat. Dans le pays, dans la France, nous battons l'attentat. Dans le pays, dans les médias, nous battons l'attentat. Mais chaque semaine, l'attentat ici, là-bas, dans l'Arabie Saoudite, combien l'attentat j'ai quitté? Parce qu'ils poussent les rois kafirs, les rois lakali kafirs, pas juste les kafirs, sur l'homme est kafir. Quand l'homme est kafir, les peuples dans le kafir, et bien ça c'est maladie par le khawarij, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'a rien chez nous pour ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Man hamal alayhi s-silah, falaysa minna. » Celui qui les trappe, les hommes poulets, les hommes contre nous-mêmes, il n'a pas parmi nous. Un musulman va faire tout son propre musulman. Alors il y en a certains qui veulent dire à qui il y a, les bétouilles, son propre musulman dans le pays musulman, ça il n'a pas rien à faire avec djihad. Dans l'Égypte, on peut être là, bétouilles l'armée, au dernier, bétouilles l'armée. Qui fait bétouilles l'armée? Pas ce qu'on a bétouilles l'armée, non. Je bétouille l'armée parce qu'il pousse ça. C'est pas un kafir, c'est pas un djimoun qui me fait takfir. Un djimoun qui me dit ça pas musulman ça. Personne pas musulman, juste dit tout seul qui est musulman. Alors je commence à faire un attentat. Et comme ça, mon frère, il y en a un autre ça qui coïncide avec nous, le programme. Ce qui finit là dans Nairobi, dans Kenya. Comme certains shabab, certains musulmans, Allah peut payer la réinformation. Peut-être c'est pas. Parce que si c'est pas la même. Je suis rentré, je suis tué, madame, je suis tué, c'est qui gagnait, plus que 60 démons. Et nous autres, c'est qui était, si vous demandez, qui veut faire? Qui veut dire? Je veux faire djihad. C'est ça qui appelle les terroristes. La faire du monde vivre dans les rires, ça c'est telle qu'une chose, les vrais, kafir par nous autres, il y a un terroriste. Les vrais, il y a beaucoup de monde, mais tasse terroriste aux musulmans. Mais ce qui est fausse, qui va dire, par un musulman, il y a un terroriste, fausse ça ou bien raison? Il y a un terroriste par un musulman, bien non. Il y a un gros terroriste par un musulman, il y en a un autre. Et que l'islam, c'est un dîme, vient venir pour combattre ça, quelque chose là. Il y a un autre musulman, pas tout, madame, qui vient pour faire achat dans le supermarché. Et qu'est-ce qu'on a? Quand on fait des gains locaux,
premières assemblées, j'ai certains mini qui ont proposé à la dans Kenya, comment on va agir pour cacher le kafir pour ce groupe de l'islam. Donc ça a fait attaque kafir. L'islam pas l'enseigne nous attaque kafir. L'islam il enseigne nous le jihad. Quand il a fait le jihad, par condition insatisfait, ok, et le jihad par la main, il n'a pas d'une façon qui nous devait être traite. Nous n'avons pas dit madame de jihad, elle est là-haut, elle fait quoi dire, nous trouver. L'eau, la rue, là, il peut pas madame, elle me déclare, tout bien, tu vois. Il est pensé que quand elle est grand-parti, il oublie. Elle a fait un mot, il est là, elle madame. Mais c'est un délire, je m'en veux bien. Il y a l'éclat, il y a les bombes, ou bien il y a le tout. Ouais, comment ma sauvage, puis tout, il va le michier, puis tout, il va le madame. Parce qu'il n'a plus aucun exemple avec eux autres. Donc ça, c'est pas quelque chose qui veut déjà causer concernant le terrorisme. C'est qu'après le terrorisme, il n'a plus rien à faire avec l'islam. L'islam, il enseigne djihad. Djihad, il a son principe. Djihad, c'est quand même l'état islamique. L'islam, djihad, c'est quelque chose qui ne nous fait pas comme entrer. Djihad, c'est quelque chose qui vient après ma condition. Je vous ai dit, mais djihad, Allahi n'a plus qu'on a vu le moutafat djihad, puis souffou finnas, zahman, minou, anna hada mina djihad. Je vous ai dit, djihad, c'est lui qui prend bon, il a zé pas le bâtiment, il a pas le bâtiment civil. Et il peut prétendre que ça c'est djihad, puis sa vie, il a d'archemé Allah, ou al-haqiqa, anna hum asa'a'u ila l'islam, ou ahli l'islam, akhtar, bi kathir, bi ma ahsar, ou en réalité. Ça dit tout qu'ils ont accro islam, ça dit tout qu'ils ont accro musulmans, ça recule qui d'arro à faire, ça a été problème qui viennent aux musulmans dans un pays comme musulmans minorité là, il beaucoup plus. C'est nous-mêmes qui occasionnons le kafir, nous venons avec la loi, c'est pour un musulman. Qui est-ce qui occasionne ça? C'est nous-mêmes, nous l'imbécilité. C'est nous-mêmes, nous-mêmes frères qui imbéciles, qui vont dire, présente l'islam comme un dingue, on est barbarie. Présente l'islam comme un dingue, on est assoiffé, tu sens du monde, non? L'islam passe à dire, qui finance nous-mêmes quelque chose pareil. Et comme ça, nous, c'est qu'il y avait attentat suicide, et là, dans une situation, attention, il y a quelqu'un de quoi, il faut gagner un point grave, et attention, mon garçon. Attends, ta suicide, et là, sur ma condition, que tu es capable de permissible. Sinon, attends, ta suicide, lui n'a pas permissible, parce qu'il ne sera pas un enseignant pour qu'il nous altouille, nous-mêmes. Et dernier, hormis la pénalisation, c'est tu es un kafir étranger dans le pays musulman. Et j'ai un Américain dans l'Arabie, et l'un des Français dans le Koweït. Et la ND anglais, c'est pas dans Yémen. Alors, un des musulmans qui dit, ah, il y a une guerre. Ben, la chère, tu as nous mangé de l'autre côté, mais la chère, avant, nous mangeons pour nous. C'est un laon. Un dimon, mais une côte, toi, que tu vis. Un dimon, rentre dans la cave, ou pas tout le temps, vous en lit. Ça, c'est quelque chose que l'islam m'a permis, parce qu'il s'accarrive qu'il rentre dans le pays musulman, il rentre avec visa. Quand il rentre avec visa, il dit, l'autorité ne permet pas de l'écrire. L'autorité permet-il. Quand l'autorité permet un djimoun pour rentrer, quoi tu il est où? On n'a pas gagné quoi tu il est. Même si nous pouvons penser qu'il y a un espion, c'est pas qui dit. À l'époque, le prophète pas chéna mon affaire. À l'époque, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, chéna mon affaire pas chéna. Chéna mon affaire, c'est ce qui s'est dit. Le prophète nous tue pas mon affaire. Le prophète dit non, attention, djimoun qui vous dit. Djimoun pour dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, perdu son propre djimoun, perdu son propre compagnon. Mais il n'a pas occasion djimoun pour malcroire. L'islam, donc n'importe qui kafir, qu'il rentre dans un pays musulman, il rentre avec un visa, mais il dit qu'il a l'autorisation pour rentrer dans sa pays-là. Celui qui vient à côté du tour, il attaque un kafir, il a une sphère en soulèvement, coquin, à l'espace de ça, et a tout lié, tout ça là, il peut n'y a fait avec l'islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit man qatala mu'ahadan, lam yurih raihat al-jannah. C'est lui qui tue Al-Mu'ahad est un kafir qui entre nos pays et ce pays est un traité. Entre nos pays et ce pays est un traité. Mais il n'y a pas rien à la guerre avec lui, il n'y a pas rien à la guerre avec lui. Pour nous apprendre, si kafir peut maintenir l'osso, mais il y a l'osso pas, nous musulmans, nous avons pu montrer, nous, et dire à Badjimoun qui colore nos paroles, pas qu'à viol, ben pas qui finira entre nous. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si en des pays, il y a des musulmans qui il a un traité. Et où a tout un dimon de Paris, ça va là,
sekali kufir dia maaf janda tu nak apa gua kufir dia jihad kufir kau masuk gua mur maaf janda kamu nak apa gua ini le prophète sallallahu alaihi wasallam bin mutrinu celui qui li tu li vers dit son an muahada dans la janna qui n'a pas pu gagner et comme ça il y a plusieurs hadith et dernier point car attire l'attention il y a plusieurs les autres choses qui n'a pas pu porter dans le jihad c'est dans un pays comme nous minorité par exemple les Maurice le médecin pour faire le jihad il y a le boss mais pas parce que la Maurice pour faire le jihad et nous n'a pas pu parce que pas parce que tu capoi mais si c'est pas capoi mais tu capoi pour aller dans le jihad. Pas besoin de jihad, pas besoin de jihad, t'as fait. Ça crée un groupe, pas besoin d'un groupe pour le jihad, non? Quand les vingt frères, ils pouvaient une vie dans la cave pendant 13 par année, 5 courses à l'engard, il est pour nous préparer, il est pour nous mensonger, nous pas pour capable, croire des fois comme ça même. Jamais, qu'appelle jamais, les pouvaient des courses à l'engard. Donc nous, dans le pays, nous disons catégoriquement, peine à jihad, n'a peine à jihad, n'a peine à jihad. Dans le Maurice, n'a peine à jihad. Parce qu'il n'a pas la condition pour un jihad, nous l'État, les rassemblés, était l'État du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le jihad, le jihad Makka. Alors faites attention contre certains qui croient avant de commencer l'entraînement d'entraîneur parce qu'ils pouvaient jihad là. Qui jihad vous pouvez faire pendant qu'on a descendu le monde côté abri, faire le karaté, un coup de missile ou gagner une vie qui disparaît, puisqu'ils sont au début du monde disparaît. Donc faites attention, l'islam il enseigne pour vivre avec la réalité. C'est sa réalité là qui à chaque fois par le Moulama fait mettre devant nous. Moi encore peut-être appelé, moi un club qui m'a guetté. Dans la Syrie, un zélestia sur l'épée. Il y a d'autres pas une capon, je parle de la guerre. Moi avec physique, avec l'épée aussi, moi pour la guerre. Dans nous l'époque, on a la guerre de l'épée, pour imbécile. Dans nous l'époque, l'Américain est allé voir assis avec ce drone. Il va nous amener, lui. Avec ce drone, il éclate. Nous, dans sa époque, là, vivre avec la réalité, NJP. Vivre avec la réalité. Bah, il y a un royaume, il y a un missile, mais c'est là qu'il y a. Ou bien possible, il y a un royaume. Les pays où je vois des jihad, peine à jihad, qui nous mis à faire? Nous disons, non, mais nous devons faire un crédit, non, nous devons faire un crédit, nous devons prendre un crédit, non, nous devons la guerre, nous devons faire un crédit. Ça, sur l'époque là. Combien de bananes nous prenons? Les prophètes pendant 13 bananes, nous devons jihad. Pendant 130 bananes, nous devons jihad. Pendant 230 bananes, nous devons jihad. Mais jihad là, il faut venir, Inch'Allah. Nous devons faire un jihad pour nous dire, avant comment, avant commencer, nous devons venir nous connaître. Je suis en train de faire un jihad. Jihad, son objectif, c'est pas tout le djimoun ou bien tout le djimoun, non. Le jihad, son objectif, c'est établir la justice et qu'on peut faire ça. Nous pouvons perdre certains djimoun. Nous pouvons arriver à perdre certains djimoun. Ça, c'est jihad. Nous venons pour établir la justice, facilement, nous venons pour établir. Mais quand pour établir ça, nous pouvons perdre certains djimoun. Mais nous venons pour perdre 100 000 djimoun. Non, il n'y a pas de se établir pour dire jihad. Fais attention, nous l'arrogance. Comment dire, nous n'avons pas les pays. Dis non, mais je ne pas nous pour la guerre même nous. Nous pour la guerre même nous. Nous ne pouvons pas faire la guerre. Si je dis, non, nous sommes d'accord pour être traité de paix. Fini, ça qui nous veut dire nous. Nous pas pour la guerre, faire un traité de paix. Nous vivons bien, nous pratiquons nos dînes, nous enseignons l'islam. Combien de monde à travers ça va faire terrorisme, la guerre dans la Syrie, la guerre dans l'Égypte, la guerre. Nous avons une mauvaise vie, l'image de l'islam. Alors nous apprenons, nous pratiquons nos dînes, nous enseignons. Jihad, jihad, jihad. Nous exemple est parlé par le prophète de Makka. Le prophète de Makka, pas pour qu'on fait jihad, il va dire jihad, jihad, jihad. On ne peut pas faire ça. Donc fais attention, ma frère. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous. Les protège nous, madame, nos enfants, dans ce pays-là. Les protège le nez à ma musulman dans entier le monde. Les retourne nos frères, sur musulmans, de verdine, Allah subhanahu wa ta'ala. Les retire, ma frère, sur la difficulté. Allah retire ceux de la difficulté-là.
Allah subhanahu wa ta'ala libère la paix dans tout le pays musulman. Allah subhanahu wa ta'ala retourne la sécurité, tranquillité dans tout le pays musulman. Allah subhanahu wa ta'ala libère l'islam, il faut libère sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut libère l'islam qui va le salaf pratiquer, il fait ça l'islam avec vous. C'est ça le chemin de la victoire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala libère pour une jeune la victoire le plus possible. Allah subhanahu wa ta'ala va bénir nous pour le péché, les va rappeler pour le bon, pour malgré qu'il nous fait Allah subhanahu wa ta'ala les barakat pour ma action. Allah subhanahu wa ta'ala accepte le mal c'est beau. Allah rabbul alamin les réserves et les places pour nous dans ce jannah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi.